Communiqué. Fednel mon chéri sous route pour aller dans pénitencier national après que tout ça nous connaît déjà qu'il impliqué dans causer massacre qui était fait en dedans la saline et c'est même raison ça yo qui la cause Jimmy Cherizier et que barbecue mais c'est pas fait partie de la police encore nous elle converti tête li en tant que un chef gang. M'rel ba nou tout détail, nous va parler en pile causé et dans minute m'a parler ensemble avec nous là. Mandat déjà arrivé dans DCPJ, enquêteur ou bien agent DCPJ ou déjà manché poignette pour yo al fouke Fendel mon chéri, quel que soit côté ou ta jeune tout ça et pour yo la gueule en dedans pénitencier national. Qui te me dit nous, mandat ça vini si après juge Wilner Mouret te fin invité mon chéri pour te paraître dans tribunal devant son reprendre pour te venir répondre quelques bonnes questions dans dossier massacre la saline là ben Fidel mon chéri en tant que un gros collette un gros auto qui gen nek derrière mon chéri a choisi pour le bouder invitation juge instructeur Morin ben forme dit nous les juges là ouais effectivement monsieur sous déclarer la guerre juge Wilner Mouret obligé mettez mandat pour yo fouke tout sa côté au joindre pour yo porter bali et s'il le faut si comme on capable dire juge Wilner Mouret pas ta présent dans moment pour yo tout aller ensemble avec mon chia la gueule dans pénitencier national parce que assassin pas cap marcher sous moun qui t'aime tout dit tout même Fednel mon chéri ça selon information selon détail que moi avant nous connaît déjà yo t'ai marié monsieur à l'époque sous Jovenel yo t'ai marié monsieur et yo t'ai gain arrivé en dedans en commissariat ensemble avec monsieur. On coup de fil en ik fait, yo gen tan vin pran misye, même machine la police vin pran misye, et par la suite misye fon koué on bè, nan men agent policier qui te vin pran yo, qui donc misye pense, même privilège qu'il te gagné sous Jovenel Moïse qui c'est intouchable là, li pense le toujours comme ça. Li pa ka comme ça, et m'a dit le clair, si babé qui joune jodi ya, et son reprend c'est même bagay sa yo qui la cause, yo te sanctionné et ou itel, en dedans institution policière là, yon est coué Fednel mon chéri, quel que soit acquaintance politique li, aussitôt nous jouen que li gen pou ensemble avec ça qui t'est passé effectivement dans massacre la saline là, yo supposé prendre tout sa balle sanction, mettez l'en côté machine pas frapper. Ou kon ça grave là? Fednel mon chéri, c'est avec propre sang-froid lui, li boude invitation juge Mouret. C'est pas parce que li gen un inconvénient, pas ka présent, même j'ai l'autre la fait qui me va vite aller sous li là. Est-ce que comprendre? Fednel mon chéri carrément li écrit, est-ce que comprendre? Juge Wilner Mouret pour le juge là, ou était colle dans dossier ça qu'il a instruit de li a. Tout autant pas ou était colle, pas jamais moi on est coué Fednel mon chéri, vinn chita nan biwol pour la répondre une question sous causé massacre la saline. Ou quoi attendez et m'a rappelé nous Jean de contenu ça yo les nèg yo voyé yo bay on juge qui sont en dossier c'est une sorte d'intimidation qui lié dès m'a rappelé que juge Wilner Mouret machine monsieur était subi plusieurs attaques. Je comprends, une dernière attaque machine dans Tessimi là, négoté pensé au fin jouer une bout et juge Wilner Mouret. Mais Dieu merci, yo dit monsieur pas dans machine là, mais faut me dire son nèg dans dossier qu'il a manié actuellement là dans la République son nèg qui doit se très prudent et bien Fednel mon chéri boude invitation monsieur parce qu'elle dit c'est Wilner Mouret qui dans tête dossier là, il est pas présenté. Mais gon l'autre tout, pas oublier te gen plusieurs nèg comment non t'es sorti dans question massacre la saline, mais gon l'autre tout là, yo dit monsieur pas ici. Monsieur actuellement là, il trouve dans le pays tonton Sam côté la prend soin parce que yo dit monsieur tout ça li malade. Son manet tout comme ça oui. Les go tout malade d'autant de besoin pour y répondre une question. M'a parlé là de Pierre Richard Duplan. Son prend monsieur ta supposé répondre question juge là 3 juillet cap venir là pour qui ça? C'est parce que monsieur en voyage pour qui ça pour raison médicale. Monsieur pas porter le bien ancien magistrat Port-au-Prince là, monsieur fait qu'on est lui-même, l'état supposé selon information selon détail et présenté, il était supposé présenter devant juge Wilner Mouret lundi 26 juin. On prend cap pointé là, mais lui mandé pour reporter audition pour lui parce que dossier ça grand pile nèg qui pas veut porter tête au vini, mais m'a dit nos bagages qui vraiment important intéressant dossier. Et Zak ou bien Krabinay qui te fait sous moun la salinyo, si on bagay jusqu'à présent, gen moun kap soufri de li, gen en pile femme qui disparaît en pile moun qui négote boule, est-ce que vous comprenez? Et me souhaite que li mien fait sous dossier ça, c'est pas pour Kounia, gen en pile moun qui t'a demandé, il faut que, est-ce que vous comprenez? Il faut que gen yon li mien qui fait moun yon t'a demandé
et justice pour massacre la Saline. Et je pense que justice a été commencé fait sur barbecue parce que barbecue t'a servi institution policière depuis et environ 14 l'année. Nous avons excité dans massacre là, yo était en dedans mais nek ça pas de cas, pas de cas moyen yo. Juge Wille Morin lui-même devine principe sous nèg yo, mais son juge en vérité mes chers amis, nous t'a souhaité que bon Dieu lagué un bouclier sous lui pour empêcher que nèg yo atteigne ni dans mauvais bagaille que nèg yo même yo t'a gagné pour yo fait. Tendez nous. Le bagaille qui est important, intéressant pour nous parler là. Mes amis, mon dossier devant moi là, on prend le bas dossier mais en même temps senti honte. Pour mes amis, senti honte pour qui ça? C'est concernant un policier qui j'une arrestation dans Carrefour pour dossier voler moto. Et selon information, c'est pas pour la première fois que policier a participé dans vieux geste ça yo. Est-ce que vous comprenez? Mais yo dit là tout ça une fois pour toutes yo marre pour pas jamais faire ça encore et yo dit les frères d'ami marre monsieur yo serre minute à dans bras monsieur dit parce que on tout comme ça pas capable une sale image institution policière. Comment monsieur relé yo dit tout apporter non Emmanuel Frédéric moi c'est qui va garder à travers écran appareil là côté va pour il gain 11 ans manche longue dans mail pendant uniforme la police à sous dol mais ça pas empêcher pour l'aller dans acquaintance avec l'autre voyou l'autre déviant pour on va rentrer dans groupe capable d'une association malfaite pour voler motocyclette dans commune Carrefour. En tout cas tout ça lion côté ça me toujours dit les plus souvent zam qui nan men policier son zam qui aussi un pour lui son zam qui a porté légalement parlant mais en pile fois chien qui habite boisé j'aime toujours aimer dire pas il va changer pas même suspendre si on prend les gars qu'on prend zam ça pour la commettre mauvais acte ensemble avec lui et faut me dire nous il y a un pile policier dans la république qui nous recense qui dans divers mauvais bagages on prend gain divers infractions qui nèg yo ou il a fait dans la rue parfois on fusillade fait d'un côté l'aime penser c'est bandi non c'est un policier qui passe son côté on règlement contre sortant de là c'est balle vidé sous monde il y a un pile cas comme ça qui répété même souhaité on jour cou journée jodi a institution policière gain pour le faire on lavage sérieux là-dedans gain policier qui violer monde gain policier qui font paquet qui fait habit dans l'arrière mais ça lui même choisi voler moto mais comme ça tout gain un pile bon policier qui choisit kembe escamp figu institution qui choisit à chaque fois yo pas son côté c'est pour parler bien de la police mais on va jeune en pile voyou en pile sanguinaire et les plus souvent nek ça pas même faire effort pour te rentrer dans institution non je comprends ou gain l'impression son ami un inspecteur en gros chabrat dans pays qui prend yo bourré en dedans mais on est qui passe toute phase yo net qui pour faut devenir un policier parce que nek ça ou bien formé nek ça ou connaît qui péripétie nek yo connaît qui ensemble des principes qui gagne depuis dans examen intellectuel là est-ce que vous comprenez c'est où son vagabond on son voyou ou te gen plus temps dans récréation au lieu pour déchita sous ban l'école et bien m'pa bon mentor ou pas digne pour ta ou pas qualifié pour ta faire partie des institutions policières mais en pile fois j'en de nek ça ou ka commettre ça ou c'est nèg qui George jeune on prend et tout souhait revenir tout ce tout bouquet you just fouiller pied ou pas besoin connait doule roche qui dans sur le même c'est roche dans doki oui à travers un monde qui ou gen dans l'état en tout cas j'en entendi assez comme ça mais bagala vraiment compliqué là c'est jour si m'pa comprendre rien nous senti dans la question justice là gien on capable dit gien ti espoir malgré espoir ça était loin pour nous te wel mais gien ti espoir qu'a fait dans moment là parce que grand pile gros autobré ça a demandé pour mettre dans prison quoi Yuri la torti quoi l'autre toi on va dire Joseph Lambert tout nek ça là qui a sauté nek yo depuis semaine ça là yo dit yo gien manger à devant yo pas veulent manger j'en prend des gros stress qui envahit yo nek yo dit quête ou comme d'aller son pénitentiaire là pour mal faire et comparer on est couré et Dimitri Ira grand pile dossier grand pile causé qui a parlé tout dans la république mais m'a dit ça une fois pour toutes grand pile dossier là même si ouais on prend yo prend temps sur même si ouais on prend parce que tout dit ça justice bon Dieu c'est cabre def on monde qui t'est participé dans massacre la Saline quel que soit de près ou de loin et bien justice ça gain pour le fait quand même et monde ça il gain pour bailler la pire et pas seulement dossier ça dossier sami tellement gain dossier dans la république celle ça qui me connaît dans jour cabinet là m'pa gen bouche pour m'parler assez pour qui ça tellement pral gen causer tellement pral gen saisissement et ou même qui a perçu un petit pied vers veine beaucoup tout là côté habité à bal de l'eau toujours il chaque matin pas quitter le mourir parce que pral besoin dans jour cabinet là pral gen en pile saisissement pral gen en pile rel kay makorel depuis c'est moun qui t'ai participé dans paquet action qui louche et bien moun ça yo pral gen compte pour rendre by la justice et moun pas ta pensé
passé, yo pral mete men nan pat kasa, yo pral humilier ou devant caméra parce que moun sa yo nan question mauvaise affaire. En tout cas, j'en entendi là c'est comme ça, policier Emmanuel Frédéric lui-même, tout ça, m'pense il a réfléchi par rapport avec moto l'habitude volé et gen pilote infraction. Yo reproché déjà nan commune Kafou, mais étant donné nek sa ou gen bois d'herbe nan yon pile fois tout, yo affilié ensemble avec un paquet de groupe armé très puissant, groupe gang, et son prendre ça konn la cause parfois ou pas être intouchable, même si a réfléchi un policier ou supposé gen sa ou les moralité la kaou, question volé, mais mon plim, wa da supposé volé pour bibiti. N'a rien dit encore. Moi je pense que c'est un coup dur pour André Abed. Et ceci pour plusieurs raisons. De la politique en Haïti, depuis plus de 20 ans, on ne peut pas parler de politique dans le pays sans que pour ne pas jouer André Abed là-dedans. Maintenant, est-ce que Abed, c'est agent blanc lié? Est-ce qu'il a perdu agent blanc qu'il a toujours été? Et si a perdu c'était agent blanc, parce que, je ne vais pas me mentir, a perdu même dans tout dernier mouvement qui fait dans le pays avec Matéla tout, que ce soit dans la question monter gouvernement, jeter gouvernement, mettre premier ministre, descendre premier ministre, a perdu un print sur tout ça. Factory, business. En tout cas, il y a des décisions qui ont pour le pays et qui passaient par André Apède, madame, monsieur. Donc si André Apède, c'était pion blanc ou bien agent blanc, quoi que je dis, il faut qu'il réfléchisse. Madame, monsieur, personne n'est qui a une président dans le pays là sans qu'on ne passe pas passer André Apède, sans qu'on ne parle pas avec Apède. Parce qu'aucun n'est qui capable de venir député sénateur là dans le pays sans que Apède par contre souillé, parce que en fait, les outils de sondage, justement, les agences de sondage, ok, il y en a d'autres qui appellent de contrôler. Il y a demandé un agent de sondage que gagne, qui m'ont dit penser qu'il y a sénateur, qu'il y a député, qu'il y a maître dans telle zone. Donc je dis à son coup du bois que non figuré parmi la liste de monde que Canada sanctionné et Canada sanctionné avec trois chefs gang. Je ne comprends pas ça. Et matin. Ça veut dire ça. Ça veut dire que nous fou. Parce que moi-même, dis-le clair. Jusqu'à présent, il n'y a pas de sanction. Clair sur ça. Parce que jusqu'à présent, c'est le Canada pour moi-même qui a battu col. Madame Jolie, qui a géré électoral avec des Haïtiens qui léguaient élection, qui votaient en pile pour parti qui s'est ouvert au pouvoir là. Mais jusqu'à présent, pour moi-même, les sanctions m'estiment que c'est des sanctions fantaisistes. Pourquoi ça? Parce que jusqu'à présent, à peine sanctionné par le Canada, bon, soyez là à peine matin dans le téléphone, à dos, à idolter. Parce que c'est pas haïtien, c'est pas Haïti, c'est pas la justice haïtienne qui sanctionne. Et même gens, hier, le sénateur Gassadé va te dire, idolter. C'est pas la justice haïtienne qui sanctionne. Maintenant, attendons voir qui ça s'appelle, et puis devant, parce que pas oublier, madame, monsieur. La sanction imposée par le Canada, il va venir du Canada lui-même. Ah, et là, maintenant, non. Est-ce que là, la sanction imposée par le Canada, elle vient à partir d'une résolution des Nations Unies. Et le Canada agit à partir de résolution ça. Regardez bien là. Maintenant, comme au niveau de l'ONU, en fait, le processus est un peu lent. Parce que pour Edo, ces sanctions là, pour l'ONU, c'est jusqu'en septembre. Il va agir dessus. Donc, le processus de l'ONU, il est lent, parce qu'on essaie un paquet de pays. Pour inviter les pays, ça, pour inviter les représentants, des fois comme Sénégalou, donc rendez-vous, et processus pour un compte, il compte pour un titan. Mais jusqu'à présent, nous sommes alliés. Parce que le Canada, c'est bons outils. En tout cas, jusqu'à présent, bien planifié terrain. Jusqu'à présent, on attend. Maintenant, ça fait deux mondes dans le pays que ça arrive. Le troisième, il était tenté de mettre son lice avec chef gang. Il était relé au scandale, c'était sénateur Moïse Jean. Mais ça fait deux mondes dans le pays que ça arrive. Le premier ministre Claude Joseph, qui ont mis dans son liste de gangs qui ne doit toucher la République dominicaine, toucher sol République dominicaine, et maintenant Andy Aped, avec trois chefs de gang qui ne doit donc mettre des pieds au Canada. Vous savez, un paquet de bagages. Et si il y a des gens qui pensaient que Haïti n'a pas changé, l'a changé. Maintenant, comment saisir cette opportunité nous-mêmes qui ne sommes pas ici? Il y a des gens que le corps groupe n'existe presque plus. Parce qu'ils ne sont pas réunis. Pas aucun rencontre qui fait entre le groupe là. Parce que Mme Savaro qui est là maintenant, donc à la tête du BINU, il a souhaité que le groupe là élargisse, savoir qu'il faudra plus de pays dans le groupe là.
Et que de l'autre pays qui n'ont pas encore couplé, qui n'ont pas accepté pour que l'autre pays qui t'a entré. Donc jusqu'à présent, donc bah, elle a été là. Donc si quoi couplé pour le moment, il t'a censé, entre guillemets, dysfonctionnel. Ça veut dire que nous on a parlé là, à Henri, c'est le seul qui chanté pratiquement dans la basse-coula. Mais maintenant, t'as toute une sanction contre Andy Aped avec des chefs de gang qui associés. Comment Haïti va m'interpréter ça, je veux dire? On a les ça quand même, c'est tout le monde. Dit bonjour, donc Yvon Jérôme, dis-le dans le débat, dans le débat, on va faire un débat avec Maïssa. Bienvenue à l'épisode de débat, en tout temps, pendant que nous parlons de Scorpio. Ou on dit Maïssa? Oui, oui, c'est Maïssa. Maïssa, c'est politique. Vous pouvez faire du genre politique. Maïssa. Yvon Jérôme, bienvenue à l'épisode de débat. Allez. Bonjour à toute l'équipe, bien matin. En fait, Loco, Esaü et Vladimir. Vladimir avec Telfort. Telfort. Auditeur, auditrice, Radio Téléclair. Salut, nous. Et c'est un plaisir. Nous venons dans deux tranches. Première tranchant, comme tombé là-dedans, inévitable. C'est personnalité d'État. Deuxième tranchant, ou du moins, c'est arrivé dans Scorpio, c'est ma histoire. Donc, néanmoins, ça montre que, bon, grain de m'a dit rapidement, qui s'est retenu en grain de phrase dans l'intervention locale depuis l'émission a commencé. Monde qui pensait Haïti, pas changer. Ok? Absolument. C'est la tête ou que lui. Ouais. C'est la tête ou que lui. Et c'est ça, femme, toujours dit. Le milieu ne fait pas l'homme, c'est l'homme qui fait. Changement qu'a fait là par rapport avec une série de monde qui a retiré l'étoile noire sur eux, qui a mis à vue. C'est le développement humain, c'est le changement humain qui donnerait lieu au changement d'Haïti. Donc ça veut dire le changement qu'a fait là, en matière d'une série de monde qui était seul qu'on chantait, qui était constitué tête comme soi-disant élite, tant qu'on dit, c'est élite maintenant. Donc je dis, là, ça qu'a fait là, c'est extrêmement important de voir. Qui développement humain qu'a fait dans ça qu'a fait là pour faciliter le développement pays hein, par rapport à place. Mounia fait mon ça, fait la place. Bien. Éviter que la nature qui a ouvert du vide, pour que ce n'est pas n'importe qui vienne combler le vide là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que comment saisir cette opportunité. Et opportunité, c'est jeunesse à connaître pour saisir. Parce que actuellement là, écoutez, l'éclair est visible, donc en fait on a besoin d'une nouvelle émergence. L'éclair. Mais pour gagner une émergence là, le vide qu'il y a. Pour le combler, avec qui est-ce qu'on le combler, c'est avec des hommes et des femmes, donc en fait des jeunes. Et ça fait une clé sous lui, madame, monsieur. Et c'est ça, l'important pour que, tant que Jean Pierre-Martin toujours aimé dire, mise en valeur de monde, moi, je l'aime chez mon apprenant, c'est intérêt ça qui gagne. On ne va pas être nommé, monsieur. Il y a deux, trois jours, je ne vais pas venir ici. Ouais. Studio a complètement changé. Oui. Qui est-ce qui a changé? C'est mon ou monsieur? Monde. Qui sont mon, va le faire me comprendre. Automatiquement, on a évolué par rapport à iPhone à faire tête, nous. Nous sélectement propre et habillé chaque matin pour nous venir dans la télévision. Nous avons des techniciens qui assument responsabilité de deux jours en jour pour améliorer la qualité. Ouais. Donc c'est moun. Ouais, c'est moun. On peut pour Haïti changer. C'est moun. Moun qui pas de changer yo. Puisque yo dit là, karma privé sou yo. Maintenant faut moun qui veut le changer yo, qui croit dans le changement à partir du changement de soi-même là, faire en sorte à ce que Haïti change. Tout là, excusez-moi. Moi-même, ouais, tout ça qui fait, ils ont raison. Tout se fait pour un bien. Mais bien sûr. Quand les sanctions, comparer les sanctions, gros pointé que fait là sous ma langue. Bon côté, quoi. Mais pour qui ça va bâti, Yvon Jérôme? C'est son début. Pour ça va bâti bien ma tête à tout. Pour ça va bâti Loco de Zon. Pour ça va bâti autre. Ça qu'a fait là, je dis, par rapport à ça, moun ça a représenté depuis 86 à nos jours. L'important, je dis, là, qui gon moun fait aucune audace pour dire que Canada dit et États-Unis dit, ça pas sanction. Pays organisé ça yo pas jambon série de décisions engagement ouvert comme ça sans que pas gagne des raisons bien déterminées sans pas gagne ti bagay nan men yo mais jusqu'à présent ils vont jouer rien pour moi même jusqu'à présent non jusqu'à ce qu'on prouve le contraire non pas besoin de prouver ouais pas besoin de prouver rien je dis là est-ce que ça au cap prend un avion de déplacer au Canada non mais c'est déjà quelque chose excusez-moi c'est là pour exploiter là ah mais OK expliquez parce que si moun sao de par leur image c'est au tap jouer toujours avant-gardiste, le coup se dit là, personne n'est pas arrivé dans des positions décisionnelles à l'échelle électorale. Non, ça. Mais je dis, est-ce que vous êtes maintenant tête? Pas qu'on est qui cache ici, ça va peine. Est-ce que vous êtes maintenant tête ou pas le coup de ou bien sans que vous ne connaissez, sans que vous ne connaissez pas, sans que vous ne validez. Oui, oui, surtout dans la campagne, etc. Et dans Wall ça, songez bien, à l'instar de l'autre gros leader de ces bons partenaires blancs, vous voyez. On privilège côté que toute autorité, l'État majorité, sont téléguidés par un remote control. Qui relève le blanc. À peine, t'es joué relais entre le blanc et les décisions électorales ou bien les décisions gouvernementales qu'a fait depuis longtemps. Donc ça veut dire pour moi, c'est déjà une approche de
sanction que lié, on mise à l'écart que lié, parce que si on t'a sanctionné, je dis on pas besoin de service. Il y a un problème, Nicolas. C'est même avec le sénateur Joseph Lambert. Vous songez après au fin sanctionnel, les États-Unis fin sanctionnel. Il y a des gens qui disent que son erreur que le sénateur Lambert a fait, qu'il a monté la radio pour expliquer, bagaille, il y a 20 ans, il y a 25 ans, c'est pas mon yo, mais alors ben c'est vos amis. Pas de bagaille comme ça. Maintenant, en fait, pour Wall, que André Aped joue dans le pays d'Haïti, dans la question politique, de près de 20 à 30 ans, au songe premier groupe, au songe André Aped qui a essayé, c'est Moun qui bataille face à ici dans 2024, oui, contre 184. Yeah. Et depuis ça, bien avant ça, il a bataille politique. Et où Kevin comprenne, bien entendu, les gens qui sont dans la politique comprennent que André Aped, c'est un pion de l'international, son agent de l'international. Maintenant, si l'international arrive dans une phase pour la sanctionner, entre guillemets, un monde qui est soi-disant agent, c'est que la situation est grave. Donc, c'est pas grâce à Delphine qu'on ne peut pas la sanctionner. C'est pas peut-être un petit député qui dit qu'on petit pont pour le faire la caille et que cop pour passer nan de l'eau qui coule en bas pour moi. Ok, on ne peut pas sanctionner. Donc, ça veut dire que, qu'on va gagner comment c'est fait, et bon, c'est que, qu'on a opportunité à saisir. Passez, Louko. Faut-il t'en aider? Et international là, à fond qu'on est intelligent. Parce que je dis, il y en a des modes, même si pas de gros manifestations qu'a fait publiquement dans le pays pour faire pour imposer des modes là, pour faire pour revendications passées, c'est que gon rejet, on est capable de dire presque total de cette classe politique, également de cette classe économique que nous avons là. Bien, bien, bien. Et si nous avons mis côté à terre, si nous avons ouvert l'onde là pour nous parler, on a senti presque tout le monde aller dans la même ligne. D'ailleurs, chaque fois nous ouvrons l'in là dans l'émission Matin Débat, nous avons même tendance là, même revendication, même discours, il n'y a pas changé. Donc nous sommes d'accord sur ça. Je ne vais pas appeler les gens là. Vous comprenez entre les lignes que l'international là comprenne en jeu. Parce que il y a des agents, lui-même tout sur le terrain, il y a des enquêtes qu'il mène et il connaît l'idéologie, comment lié à terre, il comprend ce qui a passé. Très bien. Donc c'est ça fait me dire international là font coup intelligent. Je dis à inscrit tête yo la question de déblayer terrain à terre. Terrain, très bien. Retirer ensemble des moun mettez yo sous côté tant sur le plan politique également économique. Retirer ou mettez sous côté. C'est vrai que nous t'a dit la veille pendant 25 ans 30 ans 40 ans. Tout ça que ça te mérite. De rendre nous service que nous t'ai besoin et nous dit la veille oui ça va. Maintenant je dis à ou vin un élément gênant. Okay. Nous pas qu'à avancer avec. Nous pas qu'à compter. Voilà donc pourquoi notre question sanction yo. Et ça fait à l'heure l'on a analyse là où dit que Canada ou pour qu'on comprenne sanction même d'où l'on prend la deuxième dimension d'où c'est là pour oui, regarder. Oui. Parce que je dis à Canada fait travail, c'est pas Canada en fait pour nous garder. Non, seulement. C'est Nations Unies. Soit bien les Canada seulement ou perdu dans jeu là. Elles sont résolutions des Nations Unies. Claire. OK qui clair et parce que ouais, résolution ça, seul nous n'a résolution claire noir sur blanc c'est barbecue. La résolution des Nations Unies est-ce que là c'était non barbecue. Canada, c'est États-Unis, clair. Et motivation pour sanctionner au point où nous connaissons côté le sorti. Département d'État clair. Donc Canada a joué jouette là par rapport à la relation politique, économique qu'elle développait avec États-Unis. Paris Cochet a parlé de l'ONU. Donc je dis ensemble des gens qui sanctionné. Déboulèlement, déblayage à fait là. Question pour nous poser, c'est dans l'intérêt de qui est-ce? Non, mais là, moi, c'est que le sénateur. Je dis Ariel Henry qui là. Ou senti que l'abjoué jouette la pour international là. Bon, pour le moment, écoutez, l'information, suite à. Et personne ne va y bannir. Suite à un rencontre que nous avons fait hier avec un étranger dans le pays, ok? Moi, je pense que, en fait, l'international se perd, il perd du là, avec deux séries à Galeria. Parce que hier matin, nous rencontrons mon important dans le pays, non, international là. Qui clair, international là, il va y avoir clair même, il va y avoir même affaire à Galeria. D'ailleurs. Donc, Galeria, comme ça? D'ailleurs, il dit sous table devant tout le monde qui était là, Ariel Henry, c'est Bayo menti toute la journée. Ariel Henry, c'est Bayo menti toute la journée, sur toute la ligne, sur tout le bagage. Sur la question des élections, dit, Amoun nous a parlé avec sur table avec nous, il dit nous que Ariel toujours a dit, dans un délai pas trop lointain, il n'y a pas jamais mandat. Sur la question de la constitution, il n'y a pas jamais précis sur la question de la constitution. Donc le dia international là, comment c'est bouclé avec l'attitude de comportement de Ariel Henry. Mais comme Ariel Henry c'est un politicien, ok, et puis en fait, cette sanction-là vient faire que l'inutraliser certains mondes de certains secteurs pratiquement dans le pays, ou pas qu'un pays pratiquement face lui. Donc la joie là. Dans un premier temps, c'était quoi? C'était des élections prévues pour 2023. Maintenant, carrément, on parle des élections pour 2024. Non. Et arrivé en 2024, on va dire qu'on n'a pas parlé d'élections pour 2025. Moi, je regarde le bureau que ça. Vous comprenez? C'est pas Ariel Henry. Et ça, il a parlé là, c'est pas Ariel Henry, nouveau. C'est pas Ariel Henry. Plan cap exécuté là, plan cap déroulé là, c'est le plan de l'international. Il y a un bas de l'international. C'est pas Ariel Henry. Eh bien. Tu vois ce qu'on est pour les sortir. Je dis à la blanc, à faire rendre ses rigolets. Eh bien. Voilà. C'est l'âme d'avoir venu. Les utiliser au service du blanc.
échoué blanc par rapport à résultat cadre blanc là qu'on a pour blanc pas perdu la face pour que c'est l'autre blanc qui utilise l'autre monde par rapport à ces blancs après c'est rapidement déblayer la place. Que nouvelle classe qui t'a supposé à venir parce que classe ça a senti la fini. Donc il y avait là pas une personne qui capable pas classe politique ça c'est des monde qui finit. Pas rien au café avec nous encore monsieur. Mettez quoi nous sur côté même Robin Selva va nous conseiller ça. Mettez quoi nous sur côté. Aujourd'hui à cette nouvelle classe Louko faut qu'on prudence qui exercer. Parce que international là qui fatigue avec monde ça qui décide aujourd'hui à par rapport à revendication tacite que population gagne là qui se mettez monde ça au sous côté il y a joué jouette là tout pour prendre position pour gagner des nouveaux employés correct correct de l'autre joueur que au cadre là avec pour continuer exécuter plan que gagne de toute façon faut que le pas besoin pas l'autre parce que écoutez en politique des cadeaux que pas baou parce que la politique d'abord c'est dans les intérêts. Il y a un texte que m'écrit que m'a bataille avec des amis hier moi dit dans texte ça Yvon Jérôme faut qu'international la connaît que c'est pas en fait d'abord il faut que international la comprenne qu'il faut que changer interlocuteur voilà. Parce que ce qu'apporte au garant ça en politique on c'est un politicien qui apporte le garant pour intérêt international là quoi l'autre monde tout qui apporte le garant de lui tout avec on l'esprit que avec, tout le monde joue tout le monde voilà. Justement parce que c'est ça tout le monde c'est pour ça le monde qui apporte le garant donc de l'intérieur OK donc il y a plus l'autre monde qui apporte le garant de l'intérieur avec bien entendu avec on t'approche on t'approche de pays on t'approche de nous besoin des patriotes des monde qui c'est des vrais haïtiens qui ont même non nouvelle discussion échange dynamique qui va gagner là c'est des haïtiens à part entière loukou d'abord qui remet Haïti c'est haïtien moi dis ça moi fais déclaration tout le temps yo dis moi c'est des monde qui pas haïtien qualité monde nous te là yo pas haïtien parce que yo pas qu'un intérêt en Haïti yo pas non c'est des étrangers va de sous sol là qui ont même venir diriger au fond job là puis retourner dans pays yo a résultat faire je dis c'est des monde qui can négocier avec là des monde qui ca poser problème général là qui a des intérêts voilà c'est haïtien ça comment eux bonjour le plaisir bonjour peuple haïtien bonjour Telfort, Galette, nous saluer tous les amis, auditeurs, auditrices de Radio Téléclair, Babas et Orlando et Henri. Je dis à la, il faut que nous disions que nous démarrons sur notre ça. Et c'est anniversaire, avec un gros garçon qui c'est Jean-Ernest Muscadet. Après, nous avons un gros classe Muscadet, l'homme. Nexa nous connaît, qui fait la une de l'actualité, qui fait combien l'année à coumer avec Bandi, qui lui-même, jeudi à la, c'est anniversaire, monsieur. Donc nous devons, jeudi à la, eh bien, fait qu'on est, jeudi à la, Nexa, et lui a une place spéciale dans matin débat, même j'ai une place spéciale en tant que pays. Donc nous voulons saluer, et gros garçon, ça, c'est pas les gens qui ont mouru pour nous dire que les gens étaient utiles pays. Jean-Ernest Muscadet, Nexa, qui sont grands hommes, qui ont goumé pour pays à avancer sur le plan sécurité. Donc, comme lui toujours dit, ni plan lui-même, c'est un territoire cimetière pour tout bandit qui a fait en un pays. Et lui prouver ça, c'est un monde qui travaille pour que lui mette sécurité dans la communauté par là, dans le département ni plan. Eh bien, dans le même sens, nous connaissons, comme nous, à niveau ça, nous avons parlé sur la question police nationale d'Haïti. Le directeur général de la police nationale, en l'occurrence, M. Franz Elbe, monsieur est déplacé l'aller Washington DC dans le cadre d'une mission. Donc, il désigné, dans le moment où on a parlé là, monsieur et l'inspecteur général Frédéric Lecomte, directeur central de la police judiciaire, pour capable assurer intérim. Il y a pile de questions qui ont posé, il y a pile de monde qui ne comprennent ce qui passe là. Mais d'ordinaire, il faut qu'on dise que depuis le directeur général de la police a déplacé, même avec les premiers ministres a déplacé, il est toujours désigné un monde qui est dans le gouvernement, un monde qui est dans le cabinet, qui est au commandement de la police là. Mais il faut qu'on dise que c'est un monde qui peut remplacer là, pour remplacer l'aile déplacée. Mais c'est un monde qui est comme directeur central. Ok, c'est des directeurs centraux, par exemple DCPA, l'aile déplacée. Allô? Vous me parlez, vous me parlez. Et par exemple, c'est le directeur central de la police administrative, à savoir le DCPA, ou bien le directeur central de la police judiciaire, ou bien le directeur et d'autres directeurs centraux, ok, qui est capable de remplacer le directeur général, l'aile déplacée. Donc c'est le cas de le dire. Donc il est déplacé jeudi à la. Il est déplacé depuis hier 22 à pour jusqu'à 25 et juin capillé là. Donc c'est Frédéric Lecomte qui a assuré intérim. Même genre avec un premier ministre qui est déplacé, il faut quitter plus ministre financier. Mais comme il est déplacé avec ministre financier, il quitte ministre Larsen, 84 l'année, ok, il y a des gens qui craignent que M.
monsieur Larsène, mais pas faire voile pour payer ce chapeau dans la mesure où nous connaissons. Tigre Mounan, là, j'ai pas très solide. Donc, après, on a posé question. Vous connaissez, elle est on va gagner la pipi. Parce que, il y a qui dit que Grand Mounan pisse sur lui. Donc, il y a besoin de comprendre est-ce que Larsène a capté tout le avec pression qui gagne dans le pays. Mais, Ariel Henry, eh bien, nous connaissons, malgré toute pression, Ariel Henry, qui est raide, qui est chill en ganache. Vous avez là, c'est l'être fort. Et là, nous, on dit, c'est là où on dit et l'international se perd. L'international se perd et vraiment international a perduré parce que les gars, les docteurs Ariel Henry, c'est un nègre qui a dribblé tout le monde. Mais elle pensait que, et même j'avais jamais travaillé, c'était pensé, il était capable de dribbler et on nous dit l'international. Et l'international a terminé en raison de lui. Côté, il n'est pas le mari complot avec une nègre qui a pris sanction contre lui là, à savoir monsieur Andy Aped. Et bien, dans 2004, nègre chaviré jamais travaillé. Mais c'est juste à capter la de là, l'international senti embarrassé avec Ariel Henry, mais il n'y a pas une formule pour capable garder comment il est capable de retirer Ariel Henry comme premier ministre. Mais dans le moment où on a parlé là tout, c'est que il y a des réflexions qui ont fait, il y a des rencontres qui ont fait sur le plan international. International a divisé sur la question de la Ariel. Pas pour ça, raison, oui. Madame Martine Moïse a voté plainte hier, ok, dans le tribunal fédéral donc aux États-Unis. Et pas pour ça, avocat a précisé. Il vient porter plainte contre les concernés. OK? Qui t'a assassiné Maril, mais il y a pas non concerné. Ça très important, ça me dit là. Très important et madame non pas jamais longer droite sous gouvernement. Pas jamais longer droite sous gouvernement. Toujours. Toujours longer droite sous docteur Ariel Henry toujours. Oui. Sous docteur Ariel Henry comme monde qui selon lui-même t'a doit être même elle pas tellement clair. OK? Et l'LTA a bas interview avec France 24 ans. Maintenant et madame Martine Moïse mais porte plainte et ça va mettre international là dans petit soulier lui côté journée aujourd'hui là monsieur a réfléchi son plan et de sortie de crise 1. Est-ce que c'est pour sortir de crise pour aller gagner docteur Ariel Henry comme un acteur important en dans crise là après deux années qu'il fait à diriger pays là qui ça au bail qui ça qui aboutit est-ce que lui planifié pour question organisation des élections donc en réparer les faits fait journée aujourd'hui là l'international s'est-il embarrassé donc kounya là qui ça va passer c'est moi-même ou même qui a réfléchi pour pays là est-ce que c'est nous-mêmes qui avons force pour nous capable connaître et par rapport avec est-ce qu'il y a opposition est-ce que l'opposition est compacte pour capable goumer avec docteur Ariel Henry pour pousser Dole vraiment et vers la primature de la primature en dehors de ce pays en dehors du pouvoir donc un fait est clair c'est que jusqu'à date le moment où on a parlé là c'est que en plus on ne pas ouais comment opposition qui là est prêt capable pousser Dole docteur Ariel Henry pendant que la joué avec un pile nègre en opposition donc je veux dire la situation va paraître corsée mais c'est l'international comme eux même qui t'a appuyé, n'est-ce pas vrai, mais qui a supporté Dr. Ariel Henry dans toute action. Je voulais dire là, par rapport avec envolé que dossier apprend, dossier Jovenel Moïse, nous connaissons qui va gagner de l'année depuis qu'il a assassiné le président Jovenel Moïse, et que M. Jarre, qui c'est un homme d'affaires, ancien drogue dealer, qui était agent DEA, qui était informateur DEA, M. Volet drogue DEA, maintenant, monsieur t'a confirmé que lui-même lui participé en clair dans l'assassinat de Jovenel Moïse, et que je voulais dire là, il a condamné monsieur pour le passer toute ville en prison. Maintenant, même Jean Sali même, tu as cité nommément le nom de Badio, de M. Badio, comme monde qui t'a, qui t'a impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Maintenant, même envolé à tout, mais Jean t'a cité que Dr. Ariel Henry t'es parlé selon lui-même avec M. Badio pour être capable de déplacer quitter pays. Donc, et est-ce que Dr. Ariel Henry t'a mené une telle démarche? Nous pas connaître. Mais un fait est clair, c'est que, je voulais vous dire là, c'est que la situation paraît très, très, très corsée pour le Dr. Ariel Henry, qui lui-même. T'as gagné pour le prouver devant la justice, t'as gagné pour le prouver devant la justice haïtienne, t'as gagné pour le prouver devant la justice et à l'étranger, si vraiment il va être trempé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien. Donc, nous connaissons c'est comme ça est. Donc nous connaissons les sanctions qui prend contre divers mondes et là-dedans, Andy Aped, et Iso, et Vite l'homme et consorts. Donc je ne veux dire là, eh bien, situation ça, sanction ça, qui ça va servir, à qui ça va servir, est-ce que M. Sayo, il prend sanction contre eux et puis c'est fini? Est-ce que l'État haïtien, par le de la justice haïtienne prêt capable n'est-ce pas faire suivi de même sanctions ça nous connaissons pile sanctions qui prend déjà compte des anciens sénateurs et des drug dealers en dans pays qui ça qui fait en dans pays moun sa yo prend sanctions contre yo toujours à baquer occupation sans problème donc
un fait est clair, c'est que je dis à la PIA, eh bien, face à la situation qui est là, c'est que bah, pas facile, bah, pas clair pour la population. Hein. Seul bagage, c'est que et tout le monde a bien vivre dans le gouvernement, mais que Dr. Ariel Henry même a tourné en pigeon voyageur, la voyager à travers le monde, c'est faire petit photo, avant de la présenter belle petite photo et avec chef d'État, avec chef de gouvernement. Et c'est ça qui a pris là. Et puis, le peuple a coupé dans la misère. Maintenant, vous connaissez c'est comme ça la situation est. Maintenant, la région métropolitaine de Port-au-Prince, nous connaissons face à envolé qui gagne dans la question Bois-Caléa, eh bien, et des côtés, eh bien, Bois-Caléa, bah, résultat qu'il faut, mais des côtés tout, tant qu'au tabac, et tant qu'au torsel, tant qu'au zone vitée l'homme, et tant qu'au canaran, zone et Dief, eh bien, next à eux, c'est fait et défait, il y a plus de kidnappés moun, et puis la police nationale lui-même, eh bien, et gonflé venni dans zone et village là, toujours gonflé venni dans zone village là, nous ne connaissons exactement qui ça a réglé, est-ce que tout le monde a bien pénétration, arrivé bien pénétration tout le monde, mais en fait, c'est que, Negio, et y'a barré espace village là, il barre espace et monsieur Grand il pas qu'à sortir pour faire kidnapping dans la capitale là mais c'est que il y a toujours des amis nommés il y a fait recette sous Matissan OK il y a fait recette sous Matissan la police pas présent sous Matissan mais la police présent sous Bicentenaire donc ça veut dire que la police présent sous Bicentenaire OK donc il y a un monde qui a perdu temps au passé sous Matissan c'est où qu'a connait avec monsieur qui ça arrive au ça qui arrive parce que je veux dire là la police pas de contrôle en bas Matissan mais pour le cas de Bicentenaire c'est que la police a contrôlé la police en dit la police il y a pied la tête sous Bicentenaire là face à village de Dieu côté monsieur pas qu'à sortir ça couche ça te fait mais qui va kidnapper moun pour descendre en bas village avec eux pour monter grand avin avec eux je ne veux dire ça pas fait encore et c'est ça qui faut et c'est face à Bois-Caléa ensemble avec la police nationale qui permet que je ne veux dire là bagage ça arriver fait le côté mais pour conclure nous allons faire ce week-end et bien et rendez-vous et par l'autre séance de stress et puis gagner fondation et gagner fondation ça et qui lui-même a travaillé pour capable organiser une activité un fundraising donc c'est Haitian United Foundation qui ont même déjà porté collé avec divers team. Nous connaissons dans Kafou, dans le centre d'accueil Kafou, hein, et dans le même sens, nous connaissons un groupe ça, qui c'est Asian United Foundation. Il a fait un fundraising dans la date 8 juillet à Capuna, donc dans la capitale New York, et qui donc fundraising ça, qui va permettre à ce qu'il y ait une possibilité pour aider plus de monde qui est dans la rue, plus de monde qui a des difficultés. Donc, dans le même niveau Kafou, on a parlé, vous connaissez, et il y a un ensemble de monde qui a fait des rumeurs circuler sous commune, sous base que il y a des bandits à exam qui prennent envahir la zone. Donc, n'a pas un démenti formel dans la mesure où, et selon l'information que nous avons gagné, ça c'est des rumeurs qui ont alimenté pour que capable de déblocage dans la commune. Mais la police a contrôlé entre et sortie tout le monde dans la commune Kafou. Donc, ça veut dire que, si nous avons là, et question à faire nèg exam pour l'envahir la commune, pas de comme ça, ok? Et population très réactif, il y a bien en bas, avec nèg exam à sortir. Et alors, pour nèg exam t'a sorti, pour sortir village de Dieu, pour sortir Gravine, mais faut passer par Tibois, c'est d'après le complot. En Tibois avec Gravine dans le village de Dieu, mais nous connaissons, en plus le monde connaît tout, même en plus le monde dans la commune, il connaît que Nèg Tibois toujours bloqué M. Gravine dans le village de Dieu, qui toujours gagne, qui toujours besoin de mettre tentacule, toujours besoin d'entrer dans la commune. Donc, M. Tibois, si tu as entendu un bail comme ça, t'as fait, eh bien, c'est pour complot entre M. Tibois avec M. Gravine. Mais je veux dire, il faut qu'on dise que M. Sayo, M. Tibois, pas d'intérêt parce que la commune Kafou, il est lié avec Fontamara. Donc, si M. t'a quitté M. village de Dieu, t'as quitté M. Gravine, entre Kafou, eh bien, c'est un gros causé. Il y a un problème sérieusement, mais il est difficile. Si vous attendez qu'on a fait, c'est seulement, c'est si et seulement si, monsieur Tibouayo, laissez passer. Parce que le moment où on a parlé là, c'est que la situation, je vais le présenter là, c'est que il est difficile pour que monsieur Grabin, monsieur Villa de Dieu, t'a envahi comme une casse. Ok? D'accord, ils arrivent à son pile. Bon week-end. Merci Bill. Eh bien, donc c'est ça, on connaît que l'aile dérapée net. Bon, en tout cas, donc le dossier donc, des sanctions, et son dossier qui a suivi ici, donc une émission, donc Martin Débat. Mais dans le cas de M. Aped, comme nous, son coup dur pour M. Aped, parce que quand même, Aped a travaillé quand même avec les États-Unis et le Canada pendant un bon bout de temps. Hein? Et puis je dis, après que c'est, et même Canada, ça, même États-Unis, ça, donc il a sanctionné, donc on dit Aped. Et puis, il mettait un diapède dans la même liste avec trois chefs de gang, ça qui encore vient paraître pidu. Ok, son dossier qui est ouvert. Allez-y. Au moins, ça qui est drôle, c'est là où le monde doit comprendre. Ouais. Mettez un diapède dans la même liste avec chef de gang, son réalité qui montre que. Nous sommes communiqués, tu peux vivre communicationnel, un message. Un message, national. Et puis, pour vivre en sexuel, bagage, zambaye, l'obéi. Yeah.
que tu as une connivence avec eux ou pas. Ça, le message. Pour moi, même. Que tu pas gagné. Mais figurer sur la liste, c'est un traitement dans le même niveau par rapport à ça qu'on a représenté. Donc, son leur forme, son façon de produire, même Nexao, c'est le même gang qui est payé en Israël. Alors, Louko, permettez-moi, bien avant de passer dans l'autre point, parce que je ne peux pas réagir sur les sanctions. Tout à l'heure, tu es parlé, tu as dit, les sanctions, c'est. Ou pas, il y a trop d'importance. Non, jusqu'à présent, il n'y a pas de fantaisie. C'est fantaisie. Pour moi, c'est jusqu'à présent. Fantaisie. C'est une niaiserie, ça m'a été raté. Jusqu'à présent. Pour quelle raison? Parce que, écoutez. La communauté internationale, qui c'est le Canada, les États-Unis, la France, ils ont impliqué dans la sphère politique ou bien dans la vie politique haïtienne depuis 1986 à date. Ouais. Maintenant, je vous dis, j'ai l'impression que la communauté internationale, ou bien le Canada ou bien les États-Unis, par rapport avec Jean-Pierre Avini là, ils ont besoin, ils ont cherché une façon pour disculper eux. Ils ont montré que ils sont innocents par rapport avec des gringos là de pays. Ouais. Faut pas faire ça. Je regarde, dans pile section ça qu'il apprend là. Par exemple, si tu apprends fond, même pas mal dans fond. Surtout dans André Appel Junior avec l'autre et l'autre. Ça s'est passé mon tête. Excusez m'expression aux amis auditeurs. Majorité, pour ne pas dire tout, Zamaïti gagne journée jeudi. À côté, vous sortez. Ouais, c'est les États-Unis, le Canada, c'est là où. Peut-être qu'ils ont transité par la République Dominicaine, mais c'est là où vous sortez. Journée jeudi, on t'a voulu sanctionner ISO comme chef gang. Pour ne pas faire, c'est pas que des armes entrent de manière illégale dans le pays. Ou pas dire, moi, fais commerce, ou pas dire, je compte comme ça. Mais écoutez, si c'est où Bailly, ou qu'on est qui j'ai pour Bailly, pour ne pas faire un cadeau partenariat entre l'État et l'État. Vous n'avez pas fait comme ça, peut-être avoir un contrôle sous amenant. Deuxième bagarre encore, ou dit ou mettez interdiction pour ISO, pour l'en mort, pas entrer dans le bon, n'est-ce pas même des visas. Est-ce que ISO t'a pas demandé des visas? Bon, moi, ça, c'est notre bagarre encore. Est-ce que ISO t'a pas aller au Canada, en fait, ambassade Canada?